Bon, vivons l'amicale. L'amicale, et non, quand un an de cela, déjà, de cela, tu n'as la loi du Parlement. Tu as un joli débat. Et moi, je te dis à nous faire comment en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne fait nous beaucoup de titres, l'eau s'agosse, l'eau beaucoup quelque chose. Mais nous avons des choses qui nous capables d'apprendre ses avis. La Grande-Bretagne, il y a une histoire judiciaire, il y a un long passé. Et dans ce cas-là, j'ai une institution là-bas. Je ne vais pas mon dossier avant de venir, mais j'ai une institution précisément. Quand il y a une allégation qui fait une injustice qu'il fait, mais ça même se travaille ça. Il y en a tout un staff sous la loi. Il y en a tout un staff qui enquêté, qui a réouvert le dossier. Et moi, j'ai insisté. Mais nous, un petit leader de l'opposition, vous avez un parti bon, hein, travailliste. Et nous, pas une écoute-moi. Mais vous maintenez, moi, j'ai la raison, il n'y a pas trop tard. Même, moi, je peux dire, donne à une commission pareille, tout pouvoir qui est là, sa commission-là, dans la Grande-Bretagne. Fin faire un pas en avant. Pas fin faire ce qui moi, moi, tu demandes. Mais fin faire un pas en avant, fin donne à la Human Rights Commission le pouvoir, quand elle a certaines indications qu'il y a une injustice judiciaire, une faute judiciaire, donne-lui certains pouvoirs, mais pas mal de pouvoirs qui m'ont demandé, moi. C'est quoi? Il n'est pas trop tard. Quand vous vous installez dans le gouvernement, vous pouvez venir à la sauce. Vous pouvez dire à nous, améliorer la loi là. Le gouvernement travaille ici, nous votons un amendement. Nous faisons le progrès, mais nous ne sommes pas le plus loin. Parce qu'il y a un mot qui nous servit, il limite le pouvoir de Human Rights Commission. Bizarre, on oublie le mot, mais. Design a new evidence, compelling, autant que je vous rappelle, compelling and fresh evidence. Tandis que dans l'Angleterre, non. Dans l'Angleterre, ce n'est pas seulement quand il y a compelling and fresh evidence, c'est qu'il si y en a extraordinary circumstances. Un mot pour que je cite de mémoire, mais je ne vais pas mettre ça dossier-là, c'est un mémoire rappel. En Angleterre, la loi permet réouvrir l'enquête-là. Si finena extraordinary circumstances. Mais finena extraordinary circumstances. Donc, les commissions, Human Rights Commission, design comment ce travail-là, dans le cas l'amical, dans le cas Bandimoun qui ferme et qui dit à cette innocence, cette famille, dit à cette innocence. Les Human Rights Commission continuer ce travail. Nous prenons le gouvernement, si vous amendez la loi, pour donner plus de pouvoir d'enquête à Human Rights Commission, nous pour faire. Vous connaissez que Navin pas pour objecter à ça, pas du tout aussi. Laisse ça dans nos lames. Seulement, moi, je dis à nous plus loin aussi. Est-ce qu'il y a un assimé pour aller divan privé quand vous dites? Moi, pas avocat, mais pas la force des choses. Moi, je connais beaucoup de choses. La loi. Mais est-ce qu'il nous divise un fini à aller privé quand vous dites? Un appel dans ces affaires-là. Nous n'avons pas remettre la tête ensemble. Parce qu'il y a un avocat, bon avocat qui dit oui. Et un ground. Qu'à faire tous les deux en même temps, un ne pas dire l'autre. Les Human Rights Commission continuent ce travail. Les nous dans le gouvernement, si nous amendons la loi, nous demandons. Mais nous visons mettre la tête ensemble, qui était, si pas, disant à le Privy Council. Et si nous décidons, oui, vaut la peine, disant à le Privy Council, moi-même, moi, pour prendre les débats, pour nous ramasser la monnaie nécessaire pour le Privy Council. Si nous à la conclusion, si nous trouvons qu'il parle plutôt bloque nous travail, et là nous concentrer au Human Rights Commission, nous améliorons la loi.